Le groupe IMT a son siège en Centre-Val de Loire, l'une des principales régions françaises de production de médicaments. Nous répondons aux besoins des entreprises sur la question des compétences, en particulier sur les métiers de production, donc la fabrication, le conditionnement, la maintenance, mais aussi les problématiques liées à la qualité, à la performance industrielle ou encore le management. Nous mettons en place pour cela des formations professionnelles sur mesure, directement au sein des entreprises, mais également sur nos trois plateformes régionales. Ces trois plateaux pédagogiques situés en région Centre-Val de Loire permettent de reproduire au plus près de la réalité les environnements pharmaceutiques. L'IMT à l'origine a été créé par les industriels de la région Centre-Val de Loire, par le GRIPIC, le groupement régional, qui avait un réel besoin il y a déjà quelques dizaines d'années de qualifier, de monter en compétences son personnel. Et ces industriels sont présents au sein de notre gouvernance. C'est eux qui siègent à notre conseil d'administration, donc le lien est direct. Et nous permet en permanence d'être au cœur des besoins, des mutations industrielles et d'adapter nos formations. Nous travaillons ainsi avec la cinquantaine de sites de la région qui a une activité de production de médicaments. Laboratoire d'excellence, le LabEx MabImprove, c'est un ensemble d'équipes de recherche, de chercheurs qui travaillent et qui ont en commun de travailler pour les anticorps monoclonaux thérapeutiques qui sont une classe de biomédicaments en constante expansion depuis une vingtaine d'années et on en a aujourd'hui plus de 150 qui sont utilisés, mais ça ne cesse d'augmenter et c'est un enjeu important pour la France. Les formations qu'on donne à ces jeunes chercheurs sont extrêmement prisées et on a à cœur de mettre en place des formations dédiées. On a appelé ça des formations MAB Boost pour booster la carrière dans ce domaine et qui sont en fait des moments qui sont de formation avec des études de cas où des chercheurs de l'industrie pharmaceutique viennent challenger finalement les jeunes docteurs en formation pour les problématiques scientifiques qu'ils rencontrent et les challenges auxquels ils sont confrontés. C'est aussi l'occasion pour les jeunes de pouvoir dialoguer avec ces chercheurs de l'industrie pharmaceutique et de pouvoir découvrir tout ce monde de l'entreprise avec sa compétition et son niveau scientifique qui est finalement très important puisqu'il faut évidemment qu'il soit extrêmement compétitif à l'échelle internationale. Alors les formations notamment autour de la chimie concernent notamment un master de chimie moléculaire et un cursus master en ingénierie dédié à la chimie pour l'innovation thérapeutique qui a ouvert en 2016. Ces formations sont adossées à un institut de recherche de renommée internationale, c'est l'Institut de chimie organique et analytique, ICOA. Les liens avec les entreprises et l'Université d'Orléans en chimie concernent essentiellement des contrats de recherche que nous pouvons développer dans le cadre de nos activités de recherche dans le domaine de la chimie thérapeutique, que ce soit sur la cancérologie, les maladies infectieuses ou bien les maladies rares, et j'en oublie certainement. Ces relations avec l'industrie se font également au travers l'accueil de start-up au sein du laboratoire pour promouvoir cette relation recherche, entreprise et formation. Le bénéfice de travailler avec des entreprises, en chimie notamment, ça va être d'avoir des projets de recherche qui soient très appliqués. Et le bénéfice pour l'entreprise, ça va être de venir chercher de l'expertise auprès des chercheurs de l'Université d'Orléans. C'est aussi un bénéfice pour nos étudiants qui travaillent dans les laboratoires, puisqu'ils sont confrontés aux réalités de l'industrie.